L'actrice et l'écrivain du film de la Patience 2 qui continue à jouer un très grand rôle de la presse religieuse et de la diaspora pour un entretien à la radio Télé Solidarité. Les deux femmes actionnées que je dis que nous comptons, que nous gagnons l'actrice, l'écrivain, Jocelyne Saint-Hilaire pour un entretien à la radio Télé Solidarité. Je dis que faites écrire un film qui a bien pour passer New York. C'est son premier acte de savoir lié pour la communauté chrétienne. Que on filme que on est la patience 2. Il va parler un peu de lui. Il va dire nous qui nous nie et qui vraiment raison qui t'a motivé pour te écrire film ça et pour te jouer dans film ça tout qui fait que depuis ma amie que n'a dit et l'actrice Jocelyne Saint-Hilaire bonjour sur les antennes de la radio Télé Solidarité. Bonjour docteur, bonjour à tout auditeur auditrice radio Télé Solidarité, c'est un plaisir je dis à pour moi ensemble avec nous pour informer nous de ensemble activité que notre entreprise. Je dis que et passant deux, c'est le deuxième film que vous écrit. C'est le deuxième film que vous écrit. Mais ce qu'on va dire, nous, vraiment la raison qui te motive à écrire et passant deux. Yes. Fruit de la patience 2, c'est un movie que moi écrit par rapport avec Fruit de la patience 1. C'est-à-dire, si que notre m'a parlé de Fruit de la patience 2, c'est sûr que vous avez Fruit de la patience 1. C'est la même raison qui t'a poussé à écrire Fou de la Patience 1, qui continue à suivre toujours dans Fou de la Patience 2. C'est par rapport avec l'expérience que moi fais dans la communauté côté que moi vive, moi avec que en pile fois, il y a de jeunes, pas seulement jeunes, adultes, qui échouent dans la vie, ou du moins qui a subi une série de peines, c'est parce qu'il y a un manque de patience. Et l'homme finit par réaliser que c'est un manque de patience qui peut causer une série de problèmes, ben ça te pousse moins écrit fruit de la patience. Parce que c'est sûr, si on monde ou pratique ça qui est la patience, c'est sûr que on capable de joindre un bon fruit. Les amateurs du cinéma se souviennent certainement du film Un succès, Fruit de la patience 1. Chérie, où est-ce que tu vas sortir à manger, Rounia? Ou à pas où tu vas venir? De la réalisatrice Jocelyne Saint-Hilaire. Réalisation que les critiques du milieu ont crédité de meilleurs films du genre comédie dramatique. Passé à toute vitesse à là. Elle récidive en 2017 avec Fruit de la patience 2. Une histoire qui met l'esprit humain en mouvement avec une performance extraordinaire et remarquée de l'actrice Jocelyne Saint-Hilaire et de l'acteur bien connu Huberman Sept-Îles. M'a changé depuis tant de marié. Bah j'en marqué enceinte même pour une fois. L'hôpital là ou mettre le cas docteur. Pour moi, quand envisager un traitement avec médicaments comprimés. Fait si monde, c'est un bagage qui est simple et naturel. L'inquiétude, moi, c'est que je ne suis pas même madame qui t'aime. Nous,
cousin, pas besoin de tout mon cher. M'pas quoi Jali a quitté pour bailler comme ça. Jali et James Lespinasse qui forment un couple dévoué. Mais après de nombreuses années de mariage idyllique, frôlant la perfection et à l'issue d'études en médecine réussie, le couple souhaite avoir un bébé, non sans complications. Le médecin de famille recommande à Jali de passer des tests de fertilité et elle a pour mission de persuader son sceptique mari de se soumettre à ces mêmes traitements. Une chirurgie testiculaire est même dans l'air. Oui, parce que je dis que les gens qui réussissent dans la vie, ce n'est pas les gens qui sont plus intelligents, c'est les gens qui sont plus patients. Qui veut que. Yes. Et c'est les gens qui réussissent. Plus que vous avez bien patience, c'est plus que vous avez même moins de fumi, d'après ce que vous avez dit. Oui, yeah, bon, c'est ça. Et que. Je vous laisse parler un peu de formation. Oui, moi, c'est une jeune haïtienne. Qui fait études moins en Haïti et qui venait continuer aux États-Unis. Et pour études classiques, c'est Haïti qui me fait ça. Pour collège, c'est aux États-Unis là que m'a continué. Et ben moi j'aime le cinéma en pile, moi j'aime le domaine culturel en pile et moi voulais spécialiser moi tout dans le domaine cinématographique. Et ben moi prends plusieurs formations sur le cinéma et m'a continué à enrichir l'intelligence là dans le domaine du cinéma. Que moi, je suis très impliqué dans la paroisse, surtout comme on a courage, on a écrit avec essayer en catholique. Oui, c'est ça. Que mais qui rôle joue dans la paroisse? Il y a moins, genre que moi, je là, moi, j'ai mes activités culturelles. Ben moi m'étais depuis que moi arrivé dans paroisse Sacré-Cœur, ben moi m'étais en pile activité, moi créé un groupe jeune, côté que moi aidé yo pour yo apprendre chant créole, connait petit monde qui fait ici yo, yo des difficultés pour parler ni français ni créole. Moi même moi bah moi comme devoir pour m'aider yo, montrer yo chant, faire yo chanter dans l'église là, faire yo chanter en créole, faire yo chanter en français. Et puis, moi très influent dans paroisse ce côté que moi hier. Bon, est-ce que on va un petit résumé pour dire de fruits de la passion 2 que film ça que Gabriel pour tourner New York le 14 mai. Est-ce qu'on va un petit résumé de film ça? OK. Fruits de la passion 2, c'est une histoire une jeune dame mariée. Et puis qui a un rêve lui. qui gagne deux aspects. Premier aspect c'est pour les réussir la vie, mais c'est la médecine, il veut étudier la médecine, ben c'est la dernière dans profession ça pour réussir la vie. Et après ça pour gagner un foyer complet. On dit foyer complet pour gagner petit, pour gagner mari, même mari petit lit puis pour y vivre. Voilà que avec un pile patience, parce que jeune dame Salimène, il n'y a pas un monde qui a gagné moyen économique, il n'y a pas tellement énorme. Donc, il a fait un pile effort, il a pratiqué patience, et il y a un autre bagage qui a gagné qui était vraiment utile, c'est ça, il y a la foi. Parce que, fruit de la patience, c'est un film qui a plusieurs aspects. Et bien, il y a un aspect religieux là-dedans, tout. Côté que jeune dame dans lui-même, il a pratiqué patience, les pratiquer ça que les mettre la foi tout en évidence parce que il était croyant dans bon Dieu malgré faire moyen que le gagner mes rêves il était pour réaliser quand même et à vrai dire il venait pas réaliser première partie dans rêve là qui s'est terminé avec études dans médecine qui était vraiment bien réussi pour lui et puis après ça il venait entamer partie pour un bébé en connard. C'est là qu'on y a eu le problème posé, côté que les villes remarquaient par un test que vous faites, une série de démarches, les villes remarquaient que bon problème entre eux. Voilà que c'était Marie qui était dans un problème, qui n'est pas capable d'enfanter, et puis il est arrivé dans un moment pour Marie a fait une opération testiculaire, mais c'est une opération qui paraît vraiment dure. Et puis, il n'a pas décidé de faire ça. Par la suite, il a venu jaillir la foi plus dans mon Dieu et puis mettre plus confiance
aller à l'église, faire un paquet de pèlerinage, et par la suite, bon Dieu fait une grâce, et puis je viens réussir le rêve là, complètement, j'en ai pensé. C'est un film vraiment qui est capable d'aider mon yo grandir la foi, yo, qui gagne un pile message tout pour jeunes, pour adultes. Ça, c'est pour tout le monde. Tout le monde est capable de joindre un message, un bagage qui est approprié, qui est capable d'aider yo, là dans mon vie. Ça. Et ça veut dire que vous attendez un pile monde de 14, 14 mai. Oh oui, c'est. Moi, quoi, c'est raison ça qui fait que n'a profité pour nous dire mon yo que. Li important pour yo faire déplacement parce que c'est un movie que c'est un projet que moi-même personnellement accompagné de monsieur René Léonard et avec tout Radio Télé Solidarité que nous mettons ensemble pour nous faire projet ça pour nous porter pour mon yo. C'est important pour mon yo venir pour yo venir encourager pour yo venir supporter. Et ensuite, yo pas regret ça parce que yo gagne un pile message, un pile leçon morale et qui capable aider yo au niveau de la foi, au niveau social tout, yo capable joindre un pile, yo pas regret. Parce que réellement que tout le monde connaît que monsieur René Léonard sont un filmmaker de première classe que lié que réellement qui ont pas cette expérience et il voulait mettre expérience ça au service de la communauté haïtienne. Mais nous connaissons que réellement que le monde commence à motiver un peu pour venir parce que bon, et que nous tenons paroisse que moi avec M. Léonard, côté que père, que le père de Jean-Jacques, un grand ami de Télé Solidarité, et que dit que non seulement que lui invite le monde pour aller, que lui dit que je sais que la plaque. Mais nous connaissons que Bishop Sansari, que le père Social Bono, que réellement que tout le monde s'arrive à faire. Des efforts, je sais que pour eux, avec nous, parce que réellement que nous, pour être en communauté, que ça prend des monde qui ont écrit, ça prend des films tout, ouais, que bon, et pour que ça vraiment que son première que la pied, et que pour communauté haïtienne qui n'a New York là, et film ça tout, que nous t'a aimé, que vous t'avez senti de l'autre côté, que, et madame Saint-Hilaire. Oui, nous travaillons sur ça, que pour nous porter, le nous finir écrit histoire là, qui prend un paquet de temps pour nous construire film là, ben nous porter film là, aller tout côté nous capable arriver, en façon pour message là capable véhiculer, dans le sens que j'en nous souhaitais là. Parce que ça, c'est un parti de l'évangélisation, parce que réellement, côté chasse médicale là bloqué, que mon Dieu lui-même est toujours là. Ça yeah, veut dire que ça, et que médicale, médicale, technologie médicale là ou bien la médecine pas avant mon Dieu. Et que nous voyons que ça, c'est un message que nous avons besoin dans le film ça. Et qui veut que nous sommes sûrs que quand pile monde vraiment qui a venu supporter et nous le 14 mai. Est-ce que réellement que pour le monde qui a besoin de plus d'informations, est-ce qu'on a quatre numéros qu'on va bailler? Ok, et pour information, et surtout pour une grande première qui a bien pour faire le 14 mai, hein. Si que nous avons besoin de plus d'informations, c'est Long Island que nous avons fait grande première là, 14 mai, dans l'occasion fête dernière, je crois que c'est une belle occasion. Côté que petite a bien chance pour mener maman à regarder bel film ça, et qu'on ça tout, maman a bien chance pour mener Timon Yoto à participer dans l'activité ça. Nous capables composer numéro ça pour plus information. M'a bail deux numéros que nous capables composer si que nous besoin information plus sur grande première là. Premier numéro c'est 631 88 639 0664. M'a pour prendre encore. C'est 631. C'est le seul numéro que vous connaissez. Ya ou konnen, on konnen le docteur. C'est quoi que ça? Et bien, vous capable d'aider parce que le numéro ça très bien. C'est 631 889 0664, c'est le numéro bon docteur. Exactement. Ya pour deuxième numéro, hein, c'est 516 297 4312. Moi que le numéro ça tout le docteur. Oui, c'est numéro et directeur technique Radio Télé Solidarité, monsieur René Léonard. Exactement. Bon. Et qui fait que
réellement que bon, pour est-ce que pour première présentation ça peut être, est-ce que acteur artiste tout le monde a plat juste ça? Oh oui, parce que c'est une belle activité n'a préparé pour mon yo côté que il y a bien chance pour yo rencontrer acteur actrice yo et puis pour faire photos pour parler avec yo si yo voulez. Que Napla, acteur a fait déplacement tout ça. Mais c'est à quel exactement que qu'aucune chaîne ne blesse à commencer. À quelle heure que la commencer? Moi, je crois que c'est à partir de 6 heures. C'est à partir de 6 heures que la commencer. Et je crois que même bien pour deux dates qu'après de c'est tout avant film là. Yes. Mais après ça, attendez que quelqu'un va confirmer ça pour nous. OK, il y a gagné l'autre activité tout avant que film la projeté, n'a gagné l'autre activité culturelle qu'a fait avant, n'a gagné présentation. Moi capable de dire top c'est vraiment une belle préparation pour date ça. Vous connaissez dans l'occasion fête des mères, n'a présenté, n'a bailli une belle prestation. N'a bailli une belle prestation. Autre film là, yes, autre film là qu'a pral projeté et puis a gagné l'autre activité culturelle. A bien l'autre activité que tu veux. Nous voyons que le film là, qui sont tournés de deux heures que lié, et que l'infinité, nous voyons que c'est de 6h à 9h. Ça veut dire que nous encourageons mon lieu pour arriver en time. Parce que réellement, que son premier que la pied, et que nous encourageons, et nous connaissons que, et que tous les amis nationales là, et que le monde de la solidarité, un peu partout, que nous t'avons mis que pour t'as là que mon qui dans New York yo et pour mon qui l'autre côté yo parce que nous t'avons mis que film ça que pour passer Miami tout et pourquoi pas en République Dominicaine et même en France que nous t'avons mis aller avec film ça que Haïti a bien chasse tout n'a bien chasse tout que mon Haïti yo pour nous tourner film ça en Haïti parce que réellement quoi que l'important important journée jeudi a comme que réellement nous des monde capable d'écrire livre nous des monde capable tout capable d'écrire et qui a écrit pour nous que dans le domaine cinéma, qui a produit film parce que tant que nous avons M. René Léonard, bon, qui est un gens que nous disons que j'en filme quelques liens, qui étudie aux États-Unis, là, que, qui n'ont pas cette expérience, et réellement que l'expérience en Côte livré, partagé avec la communauté haïtienne. Qui veut que plus nous plus nous encourager pour peut-être pour le film d'affaire pendant la vie, ça tout. Parce que normalement que ça c'est juste son premier pilier, son premier film, mais il y a l'autre qui a bien pour venir, soit pour les jeunes, etc. Et je crois que vraiment, que solidarité nous très 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 important. Qui veut que Madame Saint-Hilaire nous parle que si vous avez vraiment un message et que pour la communauté haïtienne avant que vous allez. Oui, dernier mot que moi gagné pour communauté, c'est à encourager, c'est à demander, pas encourager, non, c'est à demander pour yo venir encourager nous-mêmes. Parce que nous-mêmes, communauté pas nous, nous besoin plus solidarité, nous besoin plus support, nous besoin plus, vu que nous-mêmes, nous prenons temps pour nous écrire, pour nous penser, pour nous porter message pour mon yo. Mais nous avons besoin tout le même pour nous préparer, pour nous recevoir, non, pour nous recevoir les messages que nous portons, pour nous accueillir, et même pour nous capables d'encourager, nous, pour nous capables de continuer à faire le travail. Là. C'est à demander pour nous faire des déplacements, pour nous capables de venir participer, venir encourager nous dans le grand premier. Ça. Qui fait que Mme Saint-Hilaire ou bien la piste Saint-Hilaire, que nous avons dit que c'est une vedette que nous gagnons, je vous dis, c'est une étoile, bon. Qui réellement là, qui a bougé sérieusement, qui sont déjà ce deuxième film, qui sont à Haïti, qui fait études classiques, qui vient aux États-Unis, qui allait dans le collège, et réellement, il voulait exceller, ou bien il voulait mon expertise, surtout dans le domaine du cinéma. Parce que tu es déjà en formation, et tu es déjà en Haïti, et que nous sommes capables de voir que dans l'église, tout, et ce n'est pas un monde qui est en dehors de l'église. Sans monde qui est dans l'église, que réellement que les dino qui travaille, qu'elle a fait avec les jeunes. Moi, pour dire que la vapeur nous parle créole, et que c'est sûr que dans les jeunes, ça y est, que sous peu, nous avons pour nous gagner la retour pour des entrevues à la radio télé-solidarité. Il y a que nous avons dit que, et que nous avons dit qu'on nous a ici, là, vraiment, que dans pile pas qu'à fait, mais, que le fois tout pas qu'il fait, ou bien que pour raison bien pour l'autre, pour ne pas toujours connaître, mais ça a demandé nous que pour nous supporter et encourager tout le monde qui va encourager. Bon travail, ça va faire.
qui veut que déjà Madame Cécile, que nous souhaitons vraiment bonne chance pour premier sortie comme ça. Et nous espérer que peuple noir a répondu en grand nombre et que pour première sortie et pour tout l'autre côté nous ça bien pour passer et que a bien pour passer. Encore une fois un grand merci et bonne chance Madame Cécile. D'accord, merci, c'est moi-même qui vous remercie, donc il y a une bienvenue. Ok, bye bye. Bye bye. Les amateurs du cinéma se souviennent certainement du film à succès, Fruit de la Patience 1. Chérie, où est-ce que tu vas sortir à manger, Gounia? Ou pas, où est-ce que tu vas venir? De la réalisatrice Joselyne Saint-Hilaire. Réalisation que les critiques du milieu ont crédité de meilleurs films du genre comédie dramatique. Passé à toute vitesse, là. Elle récidive en 2017 avec Fruit de la Patience 2. Une histoire qui met l'esprit humain en mouvement avec une performance extraordinaire et remarquée de l'actrice Joselyne Saint-Hilaire et de l'acteur bien connu Huberman Saint-Hil. M'a changé depuis tant de mariés. Bah j'en marquais un set même pour une fois. Pour l'hôpital là, ou mettre le cas docteur. Pour moi, qui envisage un traitement avec médicaments comprimés. Fait immune, c'est un bagage qui est simple et naturel. L'inquiétude, moi, c'est que je ne peux pas même madame qui quitter. Non, cousin, pas besoin d'être mon cher. Je ne peux pas être déjà là pour me faire comme ça. Jali et James Lespinasse qui forment un couple dévoué. Mais après de nombreuses années de mariage, idyllique, frôlant la perfection et à l'issue d'études en médecine réussie, le couple souhaite avoir un bébé, non sans complications. Le médecin de famille recommande à Jali de passer des tests de fertilité et elle a pour mission de persuader son sceptique mari de se soumettre à ces mêmes traitements. Une chirurgie testiculaire est même dans l'air. Une chirurgie testiculaire est même dans l'air. Quelles sont ses difficultés? Comment vont-ils les affronter? Ce film retiendra le public en haleine pendant 2 heures de temps. Fruit de la Patience 2. Un film riche en suspense. Un scénario de Joselyne Saint-Hilaire. Réalisation Iris Trata. Production mettant en vedette Joselyne François Saint-Hilaire. Huberman Saint-Hil. Farah Télance. Fruit de la Patience 2. Un film à regarder.